elle n'a pas de véritable concurrence dans cette compétition féminine. Double salto en arrière vrillé avec l'intéressante combinaison du salto en arrière tendu vrillé et après du salto normal. C'est une interprétation du tsukara. Salto en avant avec une vrille complète. Une combinaison, une liaison qui va bien entendu apporter une bonification importante à la jeune gymnaste roumaine. Un exercice bien sûr classé à 10 points du point de vue des difficultés de la combinaison au départ. Et superbe la triple vrille dans le salto en arrière tendu final. Du talent.